pas, bon, on va commencer la deuxième expansion. La troisième expansion. Dans ce cas-là, je vais juste revenir avec quelque chose à boire. Et on va faire ça. Voilà. Donc, Thunderdome. Donc, T-Bone Jackson. Johnson. Ça, c'est la troisième expansion. Je pense que j'ai commencé à la faire dans le temps, mais je l'ai jamais faite au complet. Pandore, une planète autrefois tranquille et prospère, sous la direction honnête, intègre et désintéressée de la société Atlas. Mais certains ont cherché à détruire cette existence paisible. Des voleurs et des assassins, des pervers et des canailles. Ces crapules ont lâché sur Pandore un mal indicible, que l'univers n'avait plus affronté depuis l'âge des dieux. Mais gardez espoir, Atlas ne vous a pas oublié. Nous sommes de retour pour restaurer l'ordre et la sécurité sur votre planète. Dès notre arrivée, nous Mensonge. Toute ma vie, j'ai gobé les couleuvres de ces rapaces, mais c'est terminé. Je ne peux plus rien avaler. Atlas poursuit deux objectifs. Le pouvoir et la vengeance. Et ils sont prêts à tout pour y arriver. Nous avons un ennemi commun, vous et moi. Dès qu'ils m'auront réglé mon compte, ce sera votre tour. Ça devrait suffire à vous convaincre de lutter à mes côtés, mais si vous hésitez encore, sachez que je vous abandonnerai toutes leurs armes. Tout leur stock sera à vous. Ok. Vous êtes en retard. Nous devons nous parler au plus vite, mais je ne suis pas tranquille. Vous allez donc devoir faire un ou deux détours. Athéna. Parlez au mécanicien, il sait où me trouver. Ah, petit avertissement. Ne touchez pas si vous voulez garder vos deux mains encore un peu. Scooter remet le contact. Allez voir Scooter pour en savoir plus sur la mystérieuse informatrice Athéna. Rencontre avec Scooter. Une mystérieuse alliée a pris contact avec vous et a besoin de votre aide. Votre tête est mise à prix et vous allez devoir vous occuper d'Atlas pour régler le problème. L'informatrice Athéna vous a dit d'aller trouver Scooter à Tibo. Jackson, il sait où le trouver. Question, oui, à quoi ça ressemble cette map? Crimson Tollway. The Rage Way. Une expansion avec des chars. Sur toute la planète.
ce qui est marqué. Another million for that annoying. Allez voir s'il n'y a pas des... Merdouille escagouille, je croyais pas te revoir si tôt! C'est toi qui as ouvert l'arche? Et la petite Steele, elle s'est foutue à poil? Je veux tous les détails. Qu'est-ce que tu vois? Fais comme si de rien n'était pendant qu'on cause. Je vais parler en code, alors j'espère que ton cerveau pourra suivre. Ta petite copine m'a dit de t'envoyer chez Moxie, quand tu passerais par ici. Si tu vois ce que je veux dire. Tu vas pas aller bien loin si t'es pas motorisé, mon petit. Ou ma petite. J'ai bossé sur un truc tout nouveau, mais j'ai pas encore fini le système de booster. Il me faudra quelques trucs à ma sauce si tu veux aider. Apparemment, cette Athéna se cache chez Moxie. Qui peut-elle bien être? Un bolide bien gonflé. Équiper les pièces nécessaires pour terminer les nouveaux véhicules. Superchargeur et voir protection. Salutations! De nouvelles missions sont proposées sur le panneau de prime de T-Bone Junction. Ok, merci. Scooter vous a fait savoir que vous ne pourriez pas rejoindre Moxie sans véhicule. Il travaille sur des nouvelles roues, mais a besoin de vous que vous lui apportiez les dernières pièces pour terminer le système de booster. En cherchant bien, vous trouverez toutes les pièces nécessaires à T-Bone Junction. Dark Jacks. On va l'avoir. Ok, il y a ça là. Il y a des quests secondaires aussi. Je crois qu'on nous espionne. Maîtrisez les caméras de sécurité de la Lance Écarlate. Ici, Elena Pierce. La Lance Écarlate a installé des caméras de sécurité pour espionner la population locale de T-Bone Junction. C'est une violation directe de la charte d'Atlas sur Pandore. Détruisez ces caméras pour garantir le respect de la vie privée des habitants. Un superchargeur X-372, mais surtout pas le X-372. Comment faire monter là?
d'avoir un moyen. La place. Wow, 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 wow. Vous oubliez de jouer. Je demande permission de battre en retraite. Un ordre Omega Senshu a été lancé à votre encontre. 5 équipes ont été mises en place pour garantir le succès de l'opération. C'était la première. Les Omega sont implacables et parfaitement formés. La crème de la crème. Votre seul atout, c'est que leur meilleur agent est aux abonnés absents. Soyez sur vos gardes. Terminé. Quoi ? On va aller visiter les places. On va aller voir toutes. Faut m'appeler si vous avez besoin de moi. Depuis que ces guignols de la Lance Écarlate sont arrivés, j'ai plus de clients que jamais. Merci. Notre ami. Prenez pas les armes contre les oppresseurs. Laissez-nous combattre en votre nom. Si vous êtes blessé, merci de bien vouloir stopper l'hémorragie. Si vous êtes mordu, merci de bien vouloir garder votre calme. Nous vous protégerons dès que cela sera possible. Bon, si on a fait le tour, je crois. Faut m'appeler si vous avez besoin de moi. Je suis ton frère. Je suis taisé. Oh. Par chance, ce n'est pas le mode. On sent de bonsoir. C'est un monstre. Ça va être génial. J'ai deux quêtes de fête. Putain, j'allais voir en haut la place de Marcus. Bonjour.
N'hésitez pas à me demander tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à repasser quand vous vous serez renfloué. Si vous avez dû tirer deux fois de suite pour le tuer, c'est que c'était pas un homme, laisse-moi ces guignols de la langue. Bienvenue dans mon magasin. Bonjour Jean, vous remercie. Acceptez ceci en témoignage de votre gratitude, de notre gratitude. Oh, ça c'est fait. Ah, oh, c'est vrai, faut que je trouve les autres morceaux. Okay. Réservoir de protoxyde d'azote. De protoxyde d'azote dont on a besoin de scooter. Ça, c'est bon, ben, je crois que j'aurai pas la place pour le siège du passager si je veux rentrer tout ça. Je vais y réfléchir. Qui sont vos chefs? Qui prend les décisions qui vont influencer vos vies? Ne cherchez plus, la réponse est Atlas! Des bidules d'échappement pour le nouveau véhicule de scout. Bon, ça c'est fait. J'ai toujours dit que t'étais du genre débrouillard. Rapporte-moi tout ça et on s'y met. C'est pas payer des nouveaux ennemis. Hé, hey, une de ces salopes de la lance écarlate s'est amusée avec ma main pour me faire cracher des trucs sur ta petite copine secrète. J'y ai rien dit, mais je peux pas trop bricoler pour le moment. Alors file-moi un coup de main. Vous avez trouvé toutes les pièces pour la nouvelle voiture de scooter. Vraiment, il y a besoin d'aide maintenant pour les installer. Les mains dans les cabouis. Installez les pièces pour terminer le nouveau véhicule. Le lance-carotte a blessé scooter à la main, ce qui l'handicap. C'est Marcus. J'ai un truc pour toi. Passe me voir à T-Bone Junction. Je t'attends. Il vous a donc demandé de l'aider en installant de nouvelles pièces sur son véhicule. Ok. Maintenant, je vais aller voir Marcus. Ah, il y a quelque chose à me donner. Bonjour! N'hésitez pas à me demander tout ce que vous voulez. Récupérer des cœurs énergétiques de la lance pour Marcus. Bonjour, la présence de la lance écarlate dans la zone nous offre une grande opportunité. Leurs blindés sont équipés de cœurs énergétiques spéciaux. C'est la technologie secrète d'Atlas. Torg, Maliwan et Hyperion sont toujours prêts à en acheter. Si tu t'en apportes, tu pourras te faire un beau paquet de fric. C'est un plaisir de faire des affaires avec vous. Ouais. C'est sûrement que c'est durant la progression de l'histoire. Je peux pas faire ça. Ok, je vais dire. Okay.
Ok, appuie sur. Ça dit quelque chose? Monstre en kit. Trophée obtenu. La copine se planque dans le club de Moxie près des Phantoms. Prends-toi un de ces monstres que tu viens de finir et bouge-toi le fion! On dirait que tu viens de dégoter un nouveau petit bolide. Donnez-nous vos affamés, nous leur laisserons nos restes. Donnez-nous vos pauvres, nous leur offrirons un travail. Donnez-nous vos désespérés, ils nous chanteront des chansons. Nous sommes Atlas. Rendez-vous chez Moxie, barrage. Dégagez le barrage à Lance Écarlate. Maintenant que vous avez un véhicule, rendez-vous chez Moxie pour rencontrer l'informatrice qui peut vous aider à vous occuper d'Atlas. La Lance Écarlate a installé des barrages le long de la route pour contrôler la circulation dans la région. Vous devez ouvrir la route pour pouvoir rejoindre Moxie et rencontrer Athéna. Ok. Faut que je me rende. Là, ok. Puis le point le plus proche. Ce serait là. C'est parti! J'en ai assez de marcher. Je ne reste pas ici plus longtemps. Oh shit. Six scooters, attention, ces empaffés de la Lance Écarlate ont installé des barrages sur la route. Mais si tu fais un massacre, on dira que personne n'a rien vu ni rien entendu. The Crimson Tollway. C'est juste une ligne. Sortie vers Deep Phantom. Rendez-vous chez Moxie Barrage. Ok, ça a l'air d'être quand même vide comme environnement, mais... donne du stock, ça. C'est là qu'elles vivent, les bagnoles. Prends-toi-en une.
Quelqu'un a toujours une longueur d'avance. Assurez-vous que c'est vous. Oh, 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 oh. Quelque chose. Non, je pensais qu'il me donnait du stock, eux autres. Récupérer les cas énergétiques de la lance Marcus, moi. Arrange la bagnole avec plein de couleurs. Je veux un véhicule. On y va. C'est un robot. Que je rentre dans ça. Ça se peut.
Ah. Ok, ça a l'air que c'est en train des ennemis de la lance. Ça m'a l'air vide. Jetpack.
qu'est-ce qu'on a dans ça? Chasseur. Ça, c'est intéressant, par exemple. Au rapport. Oh. Voyons si la chance me sourit. Le barrage est dégagé, vous devriez pouvoir rejoindre Moxie. Rendez-vous chez Moxie, le Red Light de Moxie. Rejoignez Moxie pour rencontrer l'informatrice. Il n'y a plus aucun barrage sur votre route. Il est temps de vous rendre au Red Light de Moxie pour rencontrer la mystérieuse informatrice qui peut vous aider à régler le problème d'Atlas et de la lance écarlate. Bon. Ici le général Knox. Qui s'emmerde sur cette planète, qui pue comme des hémorroïdes frits dans de la graisse de bacon. J'avais envoyé Steele pour régler notre petit problème, et aussi parce que, je sais pas si vous la connaissez, mais elle est bavarde, putain, mais bavarde. Et puis bon, elle voit jamais le soleil ou quoi. Bref, enfin merci d'en avoir fait du hachis, mais il faut quand même que je vous tue. Allez, salut. Ok, donc ça c'est... c'est méchant. Secret Final Boss, 20 km. What the fuck? Sors du tout. Arrange ta bagnole! Il me faut un véhicule.
ils font mal en tabarnak. Pas tuer non plus là. Deep Phantom. C'est juste des lignes, ça me gosse. Road Hands. Cramerax Lair. Je vais te mettre au parfum sur Moxie si tu la connais pas déjà. C'est une nana pas banale, elle aime les feux de la rampe, mais elle est pas aussi tarte qu'on croirait en la voyant sur scène. Au fait, c'est ma mère. Alors tu la traites bien ou je t'enterre avec mon Lucky? Ouais, je l'ai buté. Fais pas comme si tu savais pas. Je t'avais dit que je le ferais. Ça va aller par là. Allez, on se les fait. Oh shit. Yeah.
service. Bouclier en service. On n'était vraiment pas à la hauteur. Moi, Hera est faite. C'est-elle avec moi? Oui. 8484. Moi j'ai quoi? J'ai le tech sniper rifle. Non, c'est pas ça pour tout de suite, c'est ça. Venin, déco corrosif 44%. Lumière intérieure 2. Illumination mentale. Tincelle, liquidation, rare clé. Chance effet élémentaire, je ne sais pas. Étincelle, rare clé. Lumière intérieure. Ok, on va aller voir Moxie. Monsieur Shank, c'est vous? Si c'est vous, je vous ai déjà dit que je ne veux pas de votre argent. Ah, c'est toi. Pour toi, pas besoin d'argent. D'accord. Encore besoin de moi, mon chou? Excuse le désordre, mais un kidnapping, c'est jamais très propre. Shank a forcé ma porte et il a emmené Miss Athena faire un tour. Elle s'est bien défendue, la petite chatte. Elle l'a griffée. Monsieur Shank, il veut le paquet qu'Atlas a mis sur la belle petite gueule d'Athéna. L'ennui, c'est que pour la récupérer, faut être un as du volant. Enfin, heureusement, je vais te donner un petit coup de main. Bon, prêt à sauver la princesse? Je crois que tu as tes chances. Direction, la prison. Cherche une espèce de tremplin naturel près de la base du plateau, avec une rampe. C'est mon premier mari qui a construit ça. Bon, je te recontacte quand tu y seras. Rendez-vous chez Moxie. Moxie affirme que Monsieur Shank a enlevé votre contact. La grande évasion. Guerrier. De la route. Vous devez infiltrer le Lockdown Palace, une vieille prison transformée en ville par les prisonniers qui en ont pris la contrôle. Leur chef, M. Shank, a enlevé Athéna et projette de la livrer à la Lance Écarlate pour pocher une forte récompense. Vous devez infiltrer la prison, la sauver. La Lance Écarlate a installé plusieurs barrages sur la route. Vous allez devoir les dégager. Tu me manques déjà. Thank you.
encore besoin de moi, mon chou? Tu me manques déjà. Des petites armes. Et des petites. Rebonjour, inconnu. Cerveau. Tu me manques déjà. Les armes, Maliwan, tirent plus de rayons incendiaires que les serres à toujours une longueur d'avant-outil. Assurez les pompiers. Pour chasser les nuisibles ou pour affronter notre belle planète, ne sortez jamais sans une arme sans Popé. Maman m'a dit que tu dois conduire le bolide pour ta prochaine aventure. Alors j'ai téléchargé le numériprod sur le système de l'autolock. Tu devrais pouvoir t'en faire un quand tu veux, mais sois prudent. Comparé au monstre, ce truc, c'est aussi solide que du carton-pâte. Fasse tout le chemin inversé, c'est ça? Mais c'est pas fantastique. Hey, on y va! Je veux un véhicule. Le baroudeur là, je l'ai fait trafiquer un peu par mon petit Scotty. Il a tout ce qu'il faut sous le capot pour te faire entrer dans le château. Allez, on y va! C'est plus rapide, par exemple.
pense après le 1, ça va être le 2. Je vais faire le pre-sequel vraiment à la fin. Tu fais le pre-sequel avant? Je pense que oui, hein. Il n'y a pas grand chose dans le pre-sequel, pareil, ça va aller vite. Je dirais si j'aurais des quêtes. À date, je trippe pas vraiment cette expansion-là. Pas le méchant qui m'a fait rire, mais... Modélisation. Un autre coin de map. Ridgeway. C'est tout en ligne droite cette expansion-là, je sais pas là, mais... Non, à quoi ça ressemble ça? Une autre ligne droite. Sortie vers Shock and Sea. C'est pourquoi je me mouille pour toi. D'abord, parce que t'es trop mignon. Et puis... Depuis qu'Atlas occupe Pandore, les affaires vont mal. Vous autres, vous aviez mis de l'animation sur cette planète. Il y avait plus de monde dans mon club que de bouteilles vides dans la chambre de mon deuxième mari. Mais depuis que la lance barre la route, je suis au bord de la faillite. Alors je compte sur toi et ta chica. Une autre affaire la même. C'est plutôt redondant là. Oh shit, des robots morts. Chance pour réussir. Y a rien comme
à mon niveau présentement. Vous savez que je suis trop levelé. Ça va se faire facile d'après moi. Ça, c'est intéressant. Mais fait pas aussi mal. C'est plus le plus long à faire. C'est lui que tu vois le plus. On les tient. Oh ouais, ninja. Éteins ça. Oh shit! C'est décevant, je n'ai même pas su. J'ai tombé dans le vide. Ça a l'air qu'elle est morte. Comment j'ai fait? Ah, c'est tu elle-même? C'est pas tu? Je lui avais mis du poison, puis ça l'a tué. Ça se pourrait. Parage du sud dégagé. C'était qu'il y en a un autre. C'est à moi, rien qu'à moi. Ça, c'est intéressant. C'est juste des affaires comme poison, acide, corrosif.
Wow! Je sais pas si je pouvais faire ça. Satisfait de la cause de votre mort, garantie sans garantie. Ok, je m'en vais. Oh. Votre mort ramènera la paix et la prospérité sur Pandore. C'est pour le bien de tous. Belle lanterne, c'est pas grave. Et je n'ai des explosions électriques pendant quelques instants. Je pense pas à vous là.
On met un petit peu d'action, là, vous avez pas juste des chars. Jouer dessus. Pardon? Sors d'où, toi, là? Qu'est-ce qui m'attaque? Qu'est-ce que c'est que ça? Combien, là? Je sais pas.
Un lourd de l'homme. Ça va être un petit peu plus rare. Ça donne pas mal d'XP là. Hey, t'es prêt à y aller? Je ne reste pas ici plus longtemps. C'est vrai. Ils font très mal. Comme c'est des balles, non? Et on monte. Ça avance. Là j'ai des ennemis protégés par... Ah, ça va être juste à Gelsen ça. Nice.
quasiment à moitié déjà. Sauver Athéna, mais peut-être pas aujourd'hui. Cœur de vitesse. Moi je fais cette quête là, puis après ça j'arrête. Je vais changer pour smart. Connecter ça au rapport. Magique. Grande évasion, Grid. Maintenant que vous avez dégagé les barrages, il ne vous reste plus qu'à trouver le Lockdown Palace. La grande évasion, faites le mur. Il est temps de voir ce que vous valez comme cascadeur. Maxi vous a conseillé de trouver un tremplin naturel. Les nouvelles missions sont proposées sur le panneau de prime de Kibon Junction. D'accord. Je trouve un tremplin naturel près de la base pour entrer à l'intérieur. De là, la route pour entrer dans la prison devrait vous apparaître clairement. Que ça va sauvegarder quand je change de zone. Suck and see.
Bon, là tu parles. Circle of Duty. Lockdown Palace, that's it. Bon ben, on va arrêter ça là pour aujourd'hui. Ok, on va continuer ça prochaine fois.